Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver dans votre émission sur le cinéma, 7e art. Je suis Sean Kevin Mori. Il est considéré comme l'un des plus expérimentés réalisateurs de sa génération. Il est diplômé de l'ESSEC à Paris. On lui doit des films cultes comme L'écurie de l'éléphant, Le singe fou et bien d'autres. Mon invité de ce soir est Henri-Joseph Koumba Bididi. Bonjour Henri Jo, comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour Kevin. Vous avez quelque chose à rectifier par rapport à ce que je viens de dire? Non, c'est normal en fait. Je crois que je fais partie des réalisateurs les plus âgés aujourd'hui au Gabon. Et je fais partie de la troisième génération, celle qui vient après Pierre-Marie Ndong et Charles Messa. Donc c'est tout à fait normal que... Avec tout ce kilométrage, que je sois parmi les plus expérimentés, bien sûr. C'est normal. Ok, bon, alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, dites-moi, quel est l'élément déclencheur qui vous a emmené vers le cinéma? J'avoue, je ne saurais trop dire, mais quand j'étais au lycée, je faisais en dehors du sport, j'avais beaucoup d'activités culturelles et j'écrivais d'ailleurs des pièces de théâtre. Nous avons monté une troupe de théâtre, les Satyres, du lycée d'État de Port-Gentil, oui. À l'époque, avec un ami qui est enseignant à l'ENS aujourd'hui, M. Sambo. Et donc, nous avons... Et puis, quand il fallait remplir l'engagement décennal pour demander une bourse, j'hésitais, je voulais faire philo, devenir... un homme d'église, je voulais enseigner, je voulais faire du théâtre. Ouais. Et puis, j'ai eu des années particulières entre 75 et 76, qui à l'époque, les salles de cinéma existaient. Donc, j'allais souvent au cinéma, j'ai vu des films, Le juge Fayard de Yves Boisset, j'ai vu des films comme Le Décameron de Pasolini, Les Contes de Canterbury. Et j'ai découvert qu'en fait, la passion que j'avais pour l'écriture de théâtre, je pouvais la retrouver dans le cinéma. Et c'est comme ça que je me suis senti l'envie d'aller faire du cinéma, parce que j'ai découvert que derrière le film, il se cache aussi un auteur, quelqu'un qui exprime des sentiments, des émotions. Ouais. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma. Ok. Alors... Pourquoi êtes-vous entré au Gabon après avoir obtenu votre diplôme plutôt que de rester en Europe? Ah oui, ça c'est... Non, d'abord parce que j'étais un boursier du Gabon. Du Gabon. J'ai eu la bourse. Et en fait, quand je rentre au Gabon en 1979, déjà en amont, quand je pars en 77 en France, le service culturel de l'ambassade m'envoie à l'IDEC, l'Institut des hautes études de cinéma. À l'époque, mais il se trouve que je suis arrivé en octobre et l'IDEC commençait en septembre. Et il fallait passer par un concours. Donc on a dû trouver une autre école. Je suis passé par Vaugirard et puis finalement, c'est l'ESSEC, 12 rue Béranger, qui correspondait à mes ambitions d'auteur, de réalisateur, plutôt que Vaugirard, qui était beaucoup plus scientifique pour former des directeurs photos, des ingénieurs du son, d'accord, etc. Et donc, après l'ESSEC, quand je rentre au Gabon, en fait, le Gabon m'avait encore, l'État m'avait accordé une bourse pour aller à l'IDEC. Il s'est trouvé que quand j'en parle à la fin de l'année, alors que j'ai déjà l'assurance de la bourse et que je rentre au Gabon pour les vacances, deux de mes professeurs, un qui s'appelait René Briot, qui était chargé des études technologiques, et puis un autre, Bernard Trémège, qui s'occupait
de l'écriture, oui. me dit, qui enseignait à l'IDEC, m'ont dit que ce n'était pas du tout nécessaire, que je gagnerais plus à entrer dans le monde du travail pour découvrir maintenant la pratique sur le terrain et que ça ne valait pas la peine que je repasse une formation que j'avais déjà eue. Et puis quand je suis arrivé ici à Libreville, ça m'a été confirmé par Charles Mensa, enfin tout un certain nombre d'aînés que j'ai rencontrés et qui m'ont dit mais voilà. Et donc finalement je suis resté, je ne suis plus reparti en France. Voilà, donc, mais en même temps j'aurais pu parfaitement, je ne vois pas pourquoi il aurait fallu que j'aille travailler en France alors que j'ai bénéficié d'une bourse, de l'État et que c'est plutôt mon pays qui avait besoin de gens de ma formation pour pouvoir... et voilà, je suis rentré directement à la télévision. À la télévision gabonaise. Gabonaise, où d'ailleurs je suis heureux d'être sur ce plateau parce qu'il y a 30 ans, 1980 à peu près, quand je commençais la télévision, j'ai commencé par une émission de télévision qui s'appelait Dossier Cinéma, qui était un plateau de cinéma avec des projecteurs où je recevais des invités. Et parce que j'avais observé autour de moi que les gens avaient une certaine perception du cinéma qui ne se limitait pratiquement qu'à son côté divertissant. Et donc j'éprouvais le besoin de parler au public, de lui dire que derrière le divertissement, il y a aussi autre chose. Parce que le cinéma, indépendamment des moments de divertissement qu'ils peuvent produire, c'est aussi un médium par lequel on véhicule la philosophie, la pensée d'un peuple, parce que le message est, surtout aujourd'hui, il faut que les générations qui me suivent, les jeunes générations qui me suivent aujourd'hui, il faut que nous soyons conscients que si nous voulons, pour les deux siècles à venir, essayer de faire en sorte que notre culture ne se perde pas, la télévision et le cinéma sont les médiums qui doivent assurer cette mission-là. Ouais. Parce que si aujourd'hui on écoute Mozart, si on connaît ce qui s'est passé dans toutes les civilisations européennes, c'est parce que l'audiovisuel et le cinéma ne fait que chaque année reprendre la culture, la réexplorer, la réinterpréter pour la léguer aux générations qui viennent. Et je pense que c'est une mission. Écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, si vous regardez, et c'est un devoir que nous devons, vers lequel nous devons nous tourner, les jeunes générations qui viennent vers le cinéma viennent avec des... Mais il y a toute une littérature africaine qui est là, des œuvres de Camara Lai, d'auteurs gabonais. Nous gagnerions, au lieu de réinventer le monde avec, en voulant imiter les Américains et les Chinois, nous gagnerions à réexplorer parce que ceux qui viennent après nous ont besoin de ça. Parce que c'est ça qui fonde notre culture, c'est ça qui fonde notre identité. Quand nous écoutons la musique de Mozart ou de Vivaldi, c'est la musique traditionnelle européenne. Ça veut dire que quand nous croyons que le mungongo ou la sitar, c'est du folklore, c'est ça notre identité réelle. Nous gagnons à faire en sorte que dans deux siècles, quelqu'un qui connaît, qui entend parler de ce qui était Mavolungubi, en entende parler comme nous entendons parler aujourd'hui de Mozart. Ça, ce n'est pas d'autres personnes qui viendront le faire à notre place. Non. C'est à nous-mêmes de le faire ici, avec les moyens que nous avons. Et ça, c'est vraiment, je pense, une mission que nous devons assumer. Sinon, nous prenons le risque, dans les 10 à 15 ans qui viennent, que nous ayons perdu 80% de notre patrimoine culturel. Parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Parce que nous pensons que faire le travail que nous faisons, c'est imiter ce que les autres font. Ce n'est pas d'utiliser la technologie pour la mettre au service de notre culture. Et je pense que c'est vous, vous devez avoir cette ambition-là. Parce que c'est comme ça que vous allez transmettre ce que vos pères vous ont légué. Merci encore pour le conseil. J'espère que les jeunes réalisateurs ont compris le message que vous venez de livrer. Alors dites-moi, à vos débuts à la télévision,
Vous avez commencé par des films documentaires tels que À l'aube du quatrième jour et bien d'autres. Alors, vous pouvez nous parler un peu de cette époque-là? Pourquoi le documentaire et pas la fiction avant? Non, d'abord parce que, en fait, non, non. Disons que oui, j'ai commencé par le documentaire parce que, vous savez, à l'époque, à la télévision, moi, je sortais d'une école de cinéma. Oui. Donc, je n'étais pas tout de suite attiré par les émissions studio. Ah. Et donc, forcément, que je m'intéressais à ce qui me permettait d'être sur un terrain en train de tourner, et ensuite d'aller dans une salle de montage, et ainsi de suite. Ce n'est qu'après qu'effectivement je m'intéresse à une émission studio, mais non pas en tant que réalisateur, mais en tant que, présentateur. Voilà. Et c'est vraiment après, quand Simon Auger me prend un peu sous son aile et qu'il avait besoin de faire des émissions comme Qui sera la révélation de l'année ou bien les dossiers de la RTG, que vraiment je me mets derrière le pupitre, que je commence à m'intéresser à la réalisation en studio. Donc, mais ça, c'était vraiment dans le cadre d'un travail que le chef me confie, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai toujours eu plus d'aller sur le terrain, d'être sur un tournage. Donc, et le documentaire est un genre qui a toute sa place dans l'expression artistique et cinématographique. Et donc, pour moi aussi, j'explorais, je cherchais ma voie et je pense que c'était ça qui m'attirait. Et derrière, effectivement, quand vous parlez de À l'aube du quatrième jour, bon, c'est un aîné, Richard Mouboui, qui me dit qu'il va aller circoncire ses enfants à Bassega, dans le Gouélolo, non loin de l'Astourville, et qu'il aurait voulu filmer ça. Et c'est comme ça que je me renseigne, je prends des informations, et je me rends compte que, effectivement, c'est vraiment une occasion de montrer comment se fait la... circoncision. Non, pas que la circoncision, parce que derrière la circoncision, c'est plutôt qu'on accepte l'enfant dans un grade élevé au niveau de sa vie d'homme. Oui. Il commence à devenir un adulte. Et donc, on l'initie à la vie d'adulte. Et donc, c'était vraiment une occasion pour moi d'explorer tout ça. Et donc, voilà, je me suis lancé. Et c'était des moments extraordinaires. Formidable. Formidable, oui. Formidable parce que vous êtes lâché dans des conditions et il fallait tout inventer. Avec mon ami Roland Dubose, des amis qui nous ont quittés, je pense à Bassi Tadjou, à Ngunda Bluesman. C'était vraiment une expérience formidable que d'être jeté comme ça dans la nature et essayer de ramener un produit. Voilà, et c'était une belle expérience. Belle expérience. Ouais. On aura le flouze et on pourrait se casser d'ici. En 1983, vous faites votre premier film de fiction, L'Équateur, de Serge Gainsbourg. Alors, vous étiez deuxième assistant réal. Oui. Alors, comment s'est passée la première expérience en tant que deuxième assistant réal pour un film de fiction? Bon, disons que je suis arrivé sur ce film-là par le biais de Charles Messa, ouais, qui m'a annoncé un jour que bon, ben, il y avait un film assez costaud qui allait se faire et que il fallait que je me mette dans cette équipe-là. Mm-hmm. Bon, c'est une expérience vraiment capitale pour moi parce que j'ai eu à travailler à côté de gens vraiment de métier. Et donc, il fallait s'arrimer, ouais, et il fallait suivre. Et je me souviens d'ailleurs de la tête du premier assistant, qui était un Français qui s'appelait Tony Aboyance. C'était l'un des pars, ouais, comme on dit entre guillemets, en France, parce que c'était l'un des géants et qu'il fallait venir travailler sur un important projet en Afrique.
Bon, c'est lui qui est venu, il avait tourné avec tous les vieux, Verneuil, Baker, tous les grands du cinéma français. Il les avait côtoyés des années 50 aux années 60. Ouais. Donc, quand Charles Mensah me présente à lui, j'ai vu son air, j'ai compris que voilà, il n'était pas rassuré. Ouais. Et donc, j'avais le devoir, moi-même, de montrer que j'étais vraiment... Voilà, faire ce métier. Voilà, et ça a été une... Trois mois de tournage intense où c'était vraiment d'ailleurs, j'étais entouré de Roland Dubos, Albert Ndondo, et c'était des moments parfois difficiles parce que on se retrouvait le soir avec une feuille de service qui modifiait la scène du lendemain. Alors que tu pensais avoir 4 figurants, tu te retrouves avec une scène où il faut 150 figurants. Et c'était difficile. Okay, mais j'ai trouvé une formule qui a très très bien marché. Qui a donné du travail aux personnes qui sont souvent du côté du Sporting Club. Parce que quand à minuit, vous stressez, vous vous dites, mais je vais trouver 100 personnes où à 7 heures, vous n'avez pas dormi. Et vous passez par là, je me dis, mais tiens, je bloque 4 taxibus. Je prends tout le monde, on monte et puis on va sur le terrain. Et puis le premier assistant, ça marche. Il est bien surpris quand même. Mais il était surpris, regarde, il dit mais comment ça se fait. Mais bon, voilà. C'était des moments agréables en tout cas. Et puis je pense que quand le tournage s'est terminé, ben, tout le monde était bien content du travail qui avait été fait. Et je pense que c'était vraiment... une fleur que Charles m'a faite à ce moment-là. Parce que j'avais 24 ans, puis oui, je débarquais. Bon, mais finalement, ça s'est bien passé. Et vous avez bien connu Serge, quand même? Quel Serge Gainsbourg? Mais tous les soirs, on revenait à l'hôtel, ensemble, dans les camions Velera de la gendarmerie que nous utilisions pour les tournages, parce qu'on avait un accord avec la gendarmerie nationale. C'était aussi fou qu'on le disait. Non, c'était quelqu'un de très, 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 comment dirais-je, sensible. Et en fait, il fallait protéger sa sensibilité. C'est normal, c'est le propre des grands créateurs d'avoir cette sensibilité. Mais c'était quelqu'un de parfaitement posé et qui ne faisait jamais rien par hasard. Sur le plateau, j'avais remarqué que comme il avait beaucoup plus... le côté musicien, reconnu pour son talent de musicien, ça dérangeait parfois les professionnels qui, au départ, c'est comme s'ils ne comprenaient pas bien ce qu'ils voulaient dire. Mais ça s'est arrangé très vite. Et c'est quelqu'un qui ne faisait jamais rien par hasard. Quand il met une caméra là, il sait déjà que la prochaine étape, c'est là-bas. Donc, il vous fait préparer déjà cette étape pendant... Non, c'est quelqu'un qui... c'est une expérience, Et pendant qu'on tournait là, il préparait d'autres choses qui se faisaient en France parce que c'était le communicateur de L'Oréal, donc les spots dedans. Tout ça, je découvrais ça le soir à l'hôtel pendant qu'on préparait des choses. Pour le lendemain. Voilà, pour le lendemain. On a parlé de la budget de 400 millions qui avait été... alloué par le président du Gabon, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Je ne sais pas s'il va les retrouver, mais enfin, et comme il est riche un milliard, ça me dérange pas. Il vous a fallu tout ça pour le film? Quoi? Il m'a fallu un milliard, deux. 400 pour démarrer. Mais après, il faut s'y aider les sons. Je suis très sensible au son. Mais d'abord l'image, ensuite le bruit, qui est la magie de la vie. Puis la musique, puis le dialogue. Voilà, dans l'ordre. L'esthétique pour vous, c'est important? C'est primordial, l'esthétisme. Je sais bien que c'est inutile, surtout par les temps qui courent. Tout devient moche. Ça tarte. Même les gonzesses sont tartes, je parle pour les autres. Je sais pas, on va punir un beau mec, ou alors il a le sida, ou une belle gonzesse, ou elle aime les femmes. Je sais pas, on arrive à... Alors vous sortez plus, ça? Non. Mais ça veut pas dire que je bois moins, parce que je bois plus tôt.
Vous attendez quoi du public afro? Qu'il aime mon film. Je suis très sensible. Pardon. Alors on arrive en 1986, le singe fou. 1985. 85. Oui, en fait. Oui, oui. Le Sénat-ci avait lancé un concours. Oui. Pour le court, mais pour recevoir des scénarios de court-métrage en 85. Alors, en 85, Le Singe Fou, un court-métrage dont vous êtes le réalisateur plein cette fois. Oui. Et qui était à l'origine du scénario? Ah, moi-même. En fait, c'est un scénario de long-métrage que je menais depuis l'école d'ailleurs, que j'avais. C'était mon premier scénario. Et là, pour la circonstance, je l'ai résumé un peu pour faire ce court-métrage. Non, mais on s'adapte. Oui, mais on s'adapte. C'est pour ça qu'à la fin, en fait, le film ne s'arrête pas dans le fond. Parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'un de ces jours, ouais, je vais essayer de le... Voilà, ouais. Voilà. Bon, et puis les choses se sont passées comme elles se sont passées. C'est un très beau film, je aujourd'hui, confirme. C'est... Bon, enfin, voilà. Je confirme. Mais ce film, Le Singe Fou a reçu... beaucoup d'honneurs de plusieurs festivals partout où il est passé. Notamment les deux principaux, Carthage et le FESPACO. Oui. Justement. Alors, vous attendiez un tel effet quand vous avez commencé à tourner ça? Bon, j'avoue que... Ça, moi, je ne sais pas, je suis depuis ma formation, je fais les choses parce que je les sens. Ouais. Je ne cherche pas derrière... ça va me rapporter quoi. Et bon, donc je fonctionne beaucoup plus sur le ressenti que vers quelque chose. Bon, ça peut être mauvais parce que voilà, je fonctionne au feeling. Bon, j'ai été surpris par cet accueil et c'est parce que c'est vraiment le premier film que j'ai signé. Donc j'ai été un peu surpris de cet accueil chaleureux et qui me... faisait sentir que bon, ben, le gars, il faut y aller. Qui vous mettait et à l'honneur, voilà, aussi. Voilà. Et puis, c'est toujours difficile d'assumer cette responsabilité. Bah oui, quand même, parce c'était votre premier. Faut, voilà, après et du coup, il explose comme ça. Voilà, voilà. Donc, ça fait quelque chose. Hein? Mais voilà, mais en tout cas, je ne regrette pas. Bien au contraire, ouais. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi et de faire plus. De continuer, oui, exactement, de faire plus. En 1994, vous avez fait deux épisodes de L'Auberge du Salut. Mais comment avez-vous rejoint le casting? Non, c'est un projet du Sénat-ci, j'ai dit. Non, c'est un projet du Sénat-ci. Et une fois de plus, comme je le dis souvent, oui. Nous, au Gabon, on a souvent été des précurseurs. Mm-hmm. Vous savez, en 1962, quand d'ailleurs, votre illustre père, oui. Hein? Philippe Maury, oui. Vient tourner. Oui. La cage. Philippe Maury, depuis 4-5 ans en France, tourne sur des plateaux d'un haut niveau et des rôles parmi les premiers. Oui. Et c'est le moment où le cinéma est naissant en Afrique, avec Quai sur scène, avec La Noire 2, et ainsi de suite, de Saint-Ben. Oui. Philippe Maury est déjà dans des rôles principaux. Des jeunes stars. Notamment, On n'enterre pas le dimanche. Oui. Quand vous prenez Ouvatu Kumba en 1971, c'est le premier feuilleton africain. Quand vous prenez L'Auberge du Salut dans les années 90, c'est le premier télé-novelas africain. Donc, quelque part, nous n'avons pas la démographie et nous n'avons pas l'organisation qui permet réellement qu'une industrie se mette en place. Ouais. À savoir que, en dehors de la production, qu'il y ait de la distribution, qu'il y ait des salles pour exploiter les films, pour que les films tournent et que, en rapportant de l'argent, cet argent permette de réinvestir dans le cinéma. Bon, notre génération a failli sur tous ces plans-là, il faut le reconnaître. Moi, je suis bientôt à la retraite. C'est triste pour moi de le dire aujourd'hui sur un plateau de télévision, alors que j'ai eu toute une vie active. Donc, nous avons failli. Peut-être que... la nouvelle génération va rattraper ça. Ouais. Donc, pour parler de L'Auberge du Salut, j'arrive sur ce plateau
Parce que quand Charles Mensa lance ce projet, il sait très bien que c'est 15 épisodes et qu'il ne peut pas les réaliser tous. Donc il se dit, je commence et puis je passe la main à des plus jeunes et à d'autres plus jeunes. Ça permet aux uns et aux autres de se faire la main, de se faire une petite expérience pour que petit à petit, chacun se lance dans le bain et puis après, il ira sur des projets personnels. Donc après l'Auberge du Salut, je suis allé sur les couilles de l'éléphant que vous connaissez. On en parlera tout à l'heure. Marcel Sanja est parti sur Orega. Les uns et les autres. En tout cas, il s'agissait de faire en sorte que tout le monde travaille pour que se faire la main ait confiance et puisse attaquer des projets. Aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut.